Allez. Voilà, bon après-midi à tous mes enfants. Je vous dis topic qui nous pégaitait, c'est uses of hexadecimal. Correct, je vais t'allemand. Uses of hexadecimal. Je vais dire, je vais apprendre comment servir hexadecimal. Je vais t'allemand, qui qu'un aime. Allez, dis-moi. Allez, uses of hexadecimal, c'est bien question l'examen. Ok, code servir hexadecimal. Bon, je vais apprendre binary, je vais apprendre dinary. Et je vais apprendre hexadecimal. Uses of hexadecimal veut dire, premier use code servir hexadecimal, c'est memory dumps. Maintenant, qui veut dire memory dump? Qu'est-ce que ça fait tout là? Veut dire dans mémoire, dans RAM, tout ban code qui est écrit. Voilà, ça c'est memory location, ça c'est ban data dans mémoire. Ça c'est memory location, ça place là dans RAM, ça data là ça. Ça c'est memory location et ça c'est data. Memory location et data. Veut dire tout ban affaires qui est gardé dans mémoire. Les gardes ça en hexadécimal. Ça c'est ban hexadécimal code. Comment on connaît hexadécimal code ça? Il y a ban digit 0 à 9, après na A, B, C, D, E, F. Veut dire uses of hexadecimal memory dumps. Veut dire là où dump ou mémoire, correct, dans mémoire, qui peut garder? Il peut garder ban chiffre en hexadécimal. Ça veut dire when the memory content or output on a printer or in monitor, it is known as memory dump. So, qui veut dire memory dump? Memory dump veut dire ce qui est dans la mémoire ou output li. Soit ou output li d'un printer ou bien d'un monitor. Et tout ce qui est sorti dans la mémoire, c'est ça des colonnes qui est dans là. Ça c'est mémoire sur location, sur place. Dans la mémoire, telle place, qui valait, qui détail. Dans la mémoire de telle place, qui détail. Dans la mémoire, telle place, qui détail. Veut dire dans la memory location, dans la RAM, telle place, il y a telle data. Correct? Veut dire, memory dump veut dire, qui veut dire memory dump? Veut dire dans mémoire, tout ce qui te pour output, on appelle ça memory dumps. Et dans memory dumps, il y a une valeur qui pour output, tu peux trouver your hexadecimal. Veut dire, question qui vous pose toi dans l'examen, uses of hexadecimal. Quand tu sais bien hexadecimal, il y a une dump no memory. Qui veut dire dump memory? Veut dire memory là, ce content. Veut dire RAM, ce content. Qui garde dans RAM? Bon, RAM. Ça, c'est location. Telle place de RAM, il y a telle data. Telle place de RAM, il y a telle data. Telle place de RAM, il y a telle data. Il y a tout ça data qui est là. Là, nous peut tirer en dehors, nous peut output li. Nous appelons ça memory dump. So, what is memory dump? When the memory contents are output, either on a printer or in monitor. Et tout ça va valer là, your hex, your hexadecimal. Voilà. Il y a use of hexadecimal, code me servir hexadecimal, pour faire memory dump. Veut dire pour dump, veut dire tiers ban qui sont dans la mémoire, montrer du monde qui est dans la mémoire. Et tout valeur qui est gardé dans la mémoire, il y a hexadecimal. Allez, maintenant l'autre. Correct, première réponse, c'est use of hexadecimal, c'est memory dump. Deuxième, code servir hexadecimal dans le créer website. Le créer website, nous servons un langage appelé HTML. Qui veut dire H, veut dire hyper. Qui veut dire T, veut dire text. Qui veut dire M, veut dire markup. Et L, veut dire language. HTML with the Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language, c'est un langage pour écrire ban web pages, pour développer ban web pages, pour programmer. Veut dire, HTML n'est pas un programming language, il y a un markup language, il y a un tagging language. Nous servons ban tags. Tags veut dire, c'est ban angle brackets, ça veut dire, angle brackets, nous appelons ça ban tags. Il y a opening tag et closing tag. Quelle différence dans opening tag et closing tag? Le closing tag est un forward slash. Il y a un slash là. Vous trouvez ça slash là. Il y a un pair. Il vient en pair. Un tag ça vient en pair. Il y a code de service hexadecimal. Nous disons hexadecimal, c'est la première place qui nous code de service dans memory dumps. Voilà. Il y a mémoire. Il y a un dump lui. Sa mémoire sur une location. Il y a sur un content. Il y a hexadecimal. Il y a memory dump. C'est un use of hexadecimal. Deuxième place que nous peut servir hexadecimal, c'est là nous créer une web page. Qui nous peut créer? Web pages. Là nous développe web page, nous servir un langage avec HTML. Et dans ce langage là, voilà, dans ce langage là, ce ban code, get code nous peut servir HTML. Voilà. Là nous peut code ban qui se en couleur là-bas, nous peut servir un tag. Ok? C'est-à-dire hexadecimal servir dans markup language. Ok, dans markup language, nous servit HTML pour écrire un code. Par exemple, get la HTML code. Par exemple, JSFF00 représente rouge. Veut dire, il est divisé en trois colonnes comme ça. Voilà. Ça représente rouge, ça représente green et ça représente blue. Veut dire, si vous écrivez JS ou écrivez FF, veut dire rouge, il est activé. VA te met 00, P na VA.
Et bleu, tu mets 0,0 pin à bleu. Ça représente rouge. Red. Je veux dire, ça va être codé en HTML là. Il représente couleur. Get and look. Si tu mets J's, tu peux pas mettre FF, tu mets 0,0. Je veux dire, pin à rouge là-dedans. Et si tu mets FF, deuxième colonne, je veux dire, living green. Et bleu pin à te mettre 0,0. Je veux dire, ça représente green. Et maintenant, si tu mets J's dans le code HTML, et tu écris 0,0, veut dire peina rouge, veut dire tu mets encore 0,0, peina vert, et si tu mets FF, veut dire il y en a bleu, pierre bleu, zis bleu. Veut dire ça code pour représenter en hexadécimal rouge, ça code pour représenter vert, ça code là pour représenter bleu. Maintenant, get ça code là. Ça code là. Ok, J's, FF, qui veut dire il y en a un peu rouge, 0,0 qui veut dire peina vert, et il y a encore FF, veut dire il y a bleu. Veut dire, tu mélanges rouge avec bleu, tu as une couleur fichia. Correct? Ça, il codé en hexadécimal. Maintenant, get and look. Si tu mets un P rouge, et tu mets un P vert, et tu ne pas mettre bleu du tout, il y a une couleur orange. Correct? Et si tu mets couleur, bon, il ne pas mettre full vert, il met un P vert. Veut dire, m'expliquer, ça code là, FF là, m'explique ça. En fait, il commence 0N, 0D, 0,3, il pourra aller jusqu'à FF. Veut dire, rouge pâle, pale red, et ça, FF là, veut dire dark red. Dark red. Veut dire, rouge, il y a un shade, différentes qualités rouge. Si les 0N veut dire rouge pâle, 0D un peu plus foncé, 0,3 un peu plus foncé, jusqu'à qu'il y a le FF dans hexadécimal, qui pour représente rouge foncé. Maintenant, moi, tu peux expliquer un autre affaire. Correct? Veut dire si on a envie de get vert en hexadécimal, get ça bien, je vous comprends, je vous pose une question là. Ok, si on a envie de zis couleur vert en hexadécimal. Correct? Voilà, on peut expliquer là. Tu as envie de couler à vert. Veut dire ce code qui peut être green. Veut dire rouge, tu peux mettre 0,0. Tu peux commencer par J's. Rouge, penalty tout, 0,0. Maintenant, 0N, qui veut dire? Et ici, tu mets 0,0. Veut dire pour y en a un P vert. Correct? À ce que tu as envie, augmente vert là encore. 0,0, 0D. Il peut venir un P plus foncé vert. Et il peut aller comme ça. 0,0, 0,3. Il peut venir un P vert plus foncé. Jusqu'à qui dit poil 0,0, FF, FF, 0,0. Je veux dire, green là, il augmente son intensité. Et ça, c'est un range of green. Correct là? Même affaire, il peut appliquer pour blue. J'espère que les élèves comprennent. Maintenant, allô, vous êtes là même là? Correct là? Tous les enfants comprennent? Ban code. Maintenant, question qu'il vous posez dans l'examen, on peut répondre à lui. Question qui vous posez dans l'examen, uses of hexadecimal. Correct. Could serve hexadecimal. Ok, then good. Premier use of hexadecimal, moi, je dis memory dump. Qui veut dire memory dump? Veut dire dans mémoire. Mémoire, sur une place, location, dans sa data là, dans telle location, dans telle data, dans telle location. Tout ça, dans data là, lit en hexadecimal. Hex. Veut dire, là où dump memory, veut dire memory sur content, to output li. To output li dans l'écran, on appelle ça memory dump. Et tout ça même memory là sur content li en hexadecimal. The one of the uses of hexadecimal is when we do memory dump. When we dump the memory, tout bande affaire li en hexa. Deuxième use of hexadecimal, code servi hexadecimal. Hexadecimal servi là nous développe website. Et nous développe website, se couler. Couler de nos website. Voilà, une minute. Il n'y a pas de la côté. Il est allé là, côté n'allé. Bon, il y a des élèves à attendre, il est rentré. Il y a encore des élèves à attendre là, non? Voilà. Et là, des élèves à rentrer. Voilà. Users of hexadecimal, je vais faire. Et je vais espérer de régler cette vidéo là. Le travail. Une minute. Et voilà.
Ok, uses of hexadecimal, nous pouvons faire. Voilà, nous sommes là. Correct, uses of hexadecimal, première c'est memory dump. Je vais expliquer ce que veut dire memory dump. Déjà, je vais expliquer qu'il y a un langage appelé HTML. Nous développons website avec ça. Et là-dedans, ben couler à l'icoder. Voilà. Color. Color, ben primary colors, l'icoder. Et il est divisé en trois colonnes. Comment se trouver? Première colonne, il représente rouge. Ça déchiffre là, représente rouge. Ça le déchiffre là, représente vert. Et ça le déchiffre là, en hexadécimal, il représente bleu. Je vais dire 0, 0 ici, il représente ce red. Après le déchiffre, il représente green. Après le déchiffre, il représente blue. Il y a un capable mélange rouge, vert avec bleu, ou pour gagner différentes couleurs. Si vous mettez FF là, il veut dire il rouge. Si vous mettez FF, là, D, le D là, il représente bleu. Si vous mettez FF là, il représente bleu. Red, green et blue. Et si vous mélange rouge avec bleu, ou bien fichier. Ou mélange rouge avec un P vert, ou bien orange. Si vous mélange rouge avec bleu, vert avec bleu, ou bien couleur tan. Ça dépend de l'intensité. Il ne faut pas nécessairement mettre trop beaucoup rouge, un peu par rouge. Voilà, maintenant nous continuons. Encore qui place nous servit hexadécimal. Hexadécimal servit pour nous écrire nos marques adresse. Maintenant, qui veut dire marque adresse? Marque adresse, c'est comment dire un chiffre, ça, il y a un number, il y a un unique number. Ok? Tout device qui rentre dans Internet, par exemple, tu as SIM card, il y a un code. Correct. Et tout device qui rentre dans Internet, il y a une carte réseau. Et sa carte réseau là, on appelle ça NIC. Carte réseau, comment on appelle ça? NIC. Qui veut dire NIC? NIC veut dire Network Interface Card. Carte réseau. Dans le laptop, il y a deux cartes réseau. Il y a une wireless avec un wired. Wired là, on met 10 fils. Wireless là, il est connecté au Wi-Fi. Il y a tout l'appareil qui est connecté au Internet. Il faut une carte réseau. Et sa carte réseau, il y a une MAC adresse. MAC adresse, nous appelons ça physical address, veut dire ce serial number. Il est unique, ça, il n'est pas changé. Veut dire, tout l'appareil qui est connecté à l'Internet, il y a un carte réseau. Carte réseau, nous appelons ça NIC. NIC veut dire Network Interface Card. Il y a décalé Network Interface Card. Il y a Wi-Fi avec un wired. Wired veut dire 10 fils, Wi-Fi veut dire wireless. Maintenant, chaque carte réseau, il y a une MAC adresse. Qui veut dire MAC adresse? Une unique adresse. Il y a un code unique. Et ce code-là, l'informé par un chiffre hexadécimal. L'y divisé en deux parties. Il veut dire MAC adresse l'y divisé en deux parties. L'yéna, ce first half, on appelle ça unique manufacturer number. Ce second half, il y en a ce serial number. Il veut dire ça, ce manufacturer number, l'y en hexa, NNN. Il veut dire il y en a 6 digits hexa. 6 digits hexa. Et après ça, il y en a second half, voilà, second half, il y en a encore 6 digits hexa, ça représente ce serial number. Veut dire, ça 6 digits là, avec ça 6 digits là, en tout, il fait total des 12 digits. Un exemple, moi, je vais vous donner un exemple, MAC adresse, veut dire physical address, veut dire tout l'appareil qui est connecté, le réseau, le Wi-Fi, il y a une MAC adresse, veut dire une adresse physique, veut dire un serial number, l'unique. Et combien de chiffres il y a? 12. Ça veut dire NPR, DPR, 3PR, 4PR, 5PR, 6PR. 6PR, combien de digits il fait? 12 digits. Ben, digits là, il faut mettre en qui ça fait? En hex. En hex, hexadécimal. Premier 6, comment on appelle ce premier 6, on appelle manufacturer code. Comment on appelle manufacturer code. Voilà, manufacturer. L'autre 6 là, comment on appelle serial number. Voilà, serial number. Maintenant, nous prenons l'exemple. Qu'est-ce que l'exemple? Correct, nous quittons l'exemple. Il y a une marque adresse divisée en deux parties. Ce manufacturer code avec ce serial number. Allez, nous reprenons là. Et ça écrit en hexa. À cause de ça même, nous pouvons users of hexa. Users of hexa code servi, marque adresse. Qui veut dire marque adresse? Physical address, unique address. Maintenant, nous pouvons quitter ça en détail. On peut dire tout l'appareil qui connectait le réseau, le Internet, le Wi-Fi. Nous avons un carte réseau. Vous répondez. Tout l'appareil connecté à l'Internet, vous avez un carte réseau. Un carte réseau appelle ça NIC. Vous avez un Network Interface Card.
Et 50 réseaux là, il y a la un unique number. Sa unique number là, on appelle ça MAC address, MRC. MRC veut dire Media Access Control. Media Access Control, il y a un code. Et sa MAC address là, il est unique comme un modulateur pour identifier 50 réseaux là. Pareil comme un SIM card, il est unique. Tu as besoin de SIM card pour téléphoner. Data portable. Comme ça, pour rentrer dans Internet, tu as besoin d'un carte réseau. Carte réseau là, il est wireless ou bien wired. De tout bêtement, c'est la même là. Et sa carte réseau là, il est divisé en 12 chiffres. 6, on appelle ça manufacturer code. L'autre 6, on appelle ça serial number. C'est la même là, mes enfants. On va checker un coup de tous mes enfants. Hein? Allez, rate, je vais comprendre là. Moi, le marque adresse là. Hein? Il n'a pas posé les pertinents, non. Non. Ok. Voilà. On peut faire une affaire qui appelle. Users of hexadecimal. Correct là? On va dire users of hexadecimal. C'est-à-dire MAC address divisé en deux parties. Half, first half avec second half. First half là, il y a 6 digits. On appelle ça manufacturer code. L'autre second half là, il y a encore 6 digits. On appelle ça serial number. Et c'est ça l'exemple qu'il prend là. Sa première 6 là, tu finis de connaître les tokens, tu tapes ça sur Internet. Tu finis qu'on est qui s'en fabrique ça à 4 réseaux là. C'est compagnie Apple, hein, ce code. Et ça, c'est ce serial number. Correct, ce serial number. C'est même ça notre marque adresse. Et il écrit en hexa. Vous trouvez hexa veut dire 0 à 9, A jusqu'à F. À cause de ça, on peut get users of hexa. Il y a un autre exemple. Ça, un autre marque adresse. Ok? Et ça, c'est ce manufacturer. Manufacturer Dell. Et il y en a ce unique number. Ça, un autre manufacturer, ça. Cisco, une compagnie. Ça, un autre manufacturer, ça. Cis, Intel. Veut dire, là où vous avez ce manufacturer code, ou finit qu'on est qui compagnie fabrique. Ok, nous avons un petit peu MAC adresse. Voilà. Maintenant, nous reprenons les users of hexadecimal. Qui sont en prend? Users of hexadecimal. Code servi, ça code hexadecimal. Qui fait nous étudier hexadecimal? Allez, première réponse. Memory dump. Qui veut dire memory dump? Si nous dump mémoire, tout ça va être content qu'il y a dans la mémoire. Ça, c'est une place dans la mémoire, il y a telle affaire. Telle place dans la mémoire, il y a telle affaire. Telle place dans la mémoire, il y a telle affaire. Tout ça va être data là, il y a hexadécimal. Il veut dire hexadécimal, c'est la vie pour garder la data dans la mémoire. Et si nous dump sur mémoire, il veut dire nos memory content là, nos output là dans le printer, il veut dire tout bonnes affaires pour un hexa. Tout bonnes affaires pour un hexa. Ça, c'est one use of hexadécimal. Maintenant, deuxième use of hexadecimal, apporte memory dump, c'est les nous développe website, les nous créer website, nous servons un langage appelé HTML. Et les nous servons un langage HTML là, nous avons code couler, couler codé. Voilà, les nous écrire un couler, nous écrire jazz, les nous écrire un couler. Sa premier déchiffre hexala représente rouge, le déchiffre hexala pour représente green, le déchiffre hexala pour représente blue, c'est-à-dire red, green, blue. Et nous mélangeons red, green, blue dans hexadecimal, dans web page, nous gagnons l'autre bande couleur comme affiche orange. Maintenant, quand nous servons hexadecimal encore, c'est dans MAC address. Qui veut dire MAC address? Veut dire carte réseau. Carte réseau veut dire soit Wi-Fi, carte Wi-Fi, soit carte câble, nous connecter câble. Bon, Wi-Fi avec câble, on appelle ça NIC. Qui veut dire NIC, Network Interface Card. Il y a carte réseau. Il y a des cartes de carte réseau, Wi-Fi ou wireless. Mais chaque carte réseau, il y a un code unique. On va dire ce serial number. Ça même, on appelle ça MAC address. Et MAC address écrit en hexa. MAC address divisé en deux parties. Premier 6 digits là, on appelle ça manufacturer code. L'autre 6 digits là, on appelle ça serial number. C'est-à-dire, first half, on appelle ça manufacturer code. L'autre half, 6 digits, on appelle ça serial number. Et get là, on prend l'exemple. Get ça l'exemple. 00NCB3. Ça, c'est son manufacturer code. Et sa manufacturer là, il appelle Apple Company. Et l'autre 6 digits qui nous est là en hexa, c'est ce serial number. Correct? Et là, tu es capable d'être encore un manufacturer ce code. Ça, manufacturer là pour Dell. Il fait sa carte réseau là. Et ça, un autre manufacturer Cisco. Ça, un autre manufacturer Intel. Maintenant, nous sommes encore quitteuse. Léa nous écrit web adresse. Qui veut dire web adresse? Correct? Bon, il y a une affaire bien importante pour Jésus. Il y a une table américaine, fait une table. Et cette table-là, ce qui est américaine, fait, on appelle ça ASCII. Bon, qui veut dire ASCII? Ça, bien important. A-S-C-I-I.
l'acronyme de American Standard Code of Information Interchange. A veut dire American, S veut dire Standard, C veut dire Code et I veut dire Information, le I là veut dire Interchange. Bon, qu'est-ce que ça? Veut dire sa table, un américain fait une table, une table là. Ok, dans sa table là, tout bon caractère qui est dans le keyboard, dit dans sa table là. Et chaque caractère qui est dans le keyboard, il est codé en hexadécimal avec binary. Je vous donne l'exemple. Par exemple, alphabet A. Regardez là, alphabet A. Correct, je vous donne ça l'exemple là. Alphabet A. Attendez, regardez là. Alphabet A. Oui. Ah, il a alphabet A capital. Regardez ça bien. A capital qui se code les 65 dans dinerie. Ok, et les 41 dans hexa. Pour vous montrer comment il gagne ça. Correct. Alphabet A, enfant, lit 65 ordinary. Get bien. Ordinary lit 65. Veut dire, ordinaire qui dit pour être. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Attends, on va écrire les bien. Ok. Ah, alphabet A. Ou pays alphabet A dans le keyboard. Computer lit pas comprend A. Li. Qui dit comprend 1, 2, objet la 4, 8, 16, 32 et 64. Bon, dans binaire 65 représenté par 64 plus N. Voilà. 64 plus N fait 65. Ça, c'est alphabet A. Correct? Maintenant, si vous avez envie, écrivez-le en hexa, groupe-le en 4 et groupe-le en 4. Ça, il représente N. Et ça, là, là, il vous réunit dans l'autre groupe. Et il pouvait 1, 2, 4. Veut dire qu'il pouvait 41 en hexa. Veut dire en binary, il pouvait 0N00 et 000N. Voilà, ça c'est binary de 65. Et en hexa, il pouvait représenter 41. Maintenant, si alphabet A représente 65, alphabet B, il pouvait représenter voilà, 66. Et 66, qui dit pour être les enfants? Il dit pour 64 plus D. Voilà, je vais expliquer. Voilà, tu peux trouver. Je vais expliquer. En binary. Voilà, ça lui représente 64. Ça, c'est 128. En binary, il dit pour 0, N, 64. Ça, c'est 32. 16. 64B, il vous représente 66. 66, c'est 64 plus D. Ça, c'est B. C'est là que j'ai ma C qui vous représente. Get C. J'ai ma vite. Vous êtes là même là ou ça vous touchez là? Allô? Même là. Allez. C qui dit venir? Si A 65. Ouais, A 65, B 66, C 67. Veut dire 67. Comment on écrit 67 dans binaire? Les 64 plus combien? D plus 1. Ouais, D plus 1, très bien. Voilà, D plus 1. Ça, c'est alphabet C. Veut dire, un élève, vous avez connu alphabet A. Comment écrire dans binary? D'après qui table? D'après sa table-là. Sa table-là, comment appeler les enfants? Cette table appelle ASCII table. Qui veut dire ASCII? American Standard Code of Information Interchange. Veut dire, l'américain fait une table. Qui fait, comment appelle ça? Standard. Standard veut dire tout le monde servir sa table. Et cette table, vous avez connu de binaire comment écrire alphabet A et alphabet B, alphabet C. Bon, alphabet Z, c'est la caractère qui dit pour être. Donc, des siens élèves, vous connaissez alphabet Z. Combien de caractères dans l'alphabet? 26. Correct? Allez, get Z, get qui peut être là. C'est un caractère, moi. Allez, là, Z. Z, de base 10, il peut venir 90. Comment il gagne ça? Voilà. Ok, on va expliquer là. Allez, on va ouvrir Paint pour expliquer ça plus bien. Ok. Il peut finir là. Pas encore fini là. Hein? Il y a des élèves qui attendent pour qu'on ait fait une rentrée en retard. Voilà.
Ok, on peut expliquer aux élèves, on espère résoudre suivre. On les enfants une rentrée. Voilà. Maintenant, nous rentrons là, nous rentrons à Paint. On peut expliquer là. Okay. Voilà, on peut expliquer. D'après ASCII Table, oui. D'après ASCII Table, qui veut dire ASCII, on reprend les bons élèves. Voilà, ASCII, A-S-C-I-I, on va expliquer ça. ASCII veut dire American Standard Code of Information Touching. Alphabet A, enfants. Alphabet A, de base 10, il représente 65. Et 65, c'est N, D, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 0, 64 plus N, voilà, ça représente Alphabet A. Alphabet B, capital pour représenter 66. 66 veut dire 64 plus D. Voilà. Et alphabet C pour représenter 67. Veut dire 0, 64 plus D plus N. Non, il est bon là? 64 plus D fait 66. Plus N fait 67. Ça représente A. Maintenant, alphabet Z qui pour représenter? Ça n'a qu'à dire moi. Bon, il y a 26 caractères d'alphabet. Et tu as besoin de 25 là, non? Parce qu'il y a une solution de 65. Il y a 65 plus 25, 0, 80. N. Comment il fait? 90. 90. Veut dire alphabet Z pour venir 90. Bon, c'est un cas de 90 qui est pour venir. Ok? Il est pour venir 64. Tiens, 64 là-dedans. 90, c'est 64. Comment il fait? Ça vient 8, ça vient 10, ça veut dire 6. 6, 6, 7, 8. 26. Combien restait 26? Check and good. 90, 16, 64. Il est bon là? 90, 16, 64, combien il fait? 90, 16, 64. Vous avez fait là? 26. Allez, 26. Nous avons 4 à 30 là non? Nous avons 16. Allez, tu as 16 là. Combien reste? 10. Nous avons 8 là non? Reste D. Et nous pas que tu as 4, nous tiens D. Voilà. Ça représente alphabet Z. Correct? A capital. A capital, ce code binaire est là. B capital, ce code binaire est là. Comment nous rappelle ça? Nous commençons par alphabet A capital. Pour la question de l'examen là-dedans. Voilà mon code. Maintenant, tu as un binary. Tu as fait une hex. Ok? Tu as fait une hexadécimal. Oui, allô? 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 Oui, oui, Hare Krishna, oui. Ouais. Ouais. Oui. Oui, oui. Oui. Et moi, les sons là, online. T'as l'air de me causer après une heure? Allez. Allez, merci. Allez, merci. Allez, merci. Allez, allez. Ok. Allez, correct là, j'ai bien compris. ASCII table. Maintenant, on retourne dans mon notes. On s'est découpé, nous pour reconnecter là. Hein? Tous les élèves là, là. Et nous fait pas faire l'examen là. Hein? Voilà, s'est découpé, nous pour reconnecter. On a déjà dit un process là, quand même, il reste. Il reste 5 minutes là. Hein? Allez, ouais. Nous continuons. Bon, voilà, on retourne avec mon table. Voilà, je vais expliquer un affaire. Là. Mais tu expliquais qui veut dire ASCII. Voilà, ASCII veut dire American Standard Code of Information Interchange. Veut dire il y a une table qui est américaine, fait, voilà ASCII. American Standard Code of Information Interchange. Sa table là, dans la table là, il montre tout le caractère qui est dans le keyboard. Il y a ce code. Alphabet A capital, il commence par 65. Et ça 65 là, il y a un binaire binaire et là, il y a un caractère hex. Si moi tu fais un hex, qui est-ce pour venir? Nous avons pris ce binary là, faire un hexadécimal. Et qui est-ce pour venir? Ça, tu peux représenter N. Et ça, tu peux représenter 4. Tu peux venir 41. Voilà l'inmétrie là. Et alphabet B, il vient 66. Alphabet C, il vient 67. Yali. Mais rappelle bien, alphabet A, tilet, small letter. Ce binary commence par 97.
et alphabet B tilet, il y a 98, et C tilet, il y a 99. Et si jamais tu as envie de connaître alphabet A, Z tilet, qui chiffre ça, c'est facile, c'est tu as besoin d'ajouter 25 avec ça. Voilà, Z tilet, il y a 122. Comment il y a 122? C'est 97 plus 25. Parce qu'il y a 26 caractères, mais tu ne commences pas 97. Donc, il y a 122. J'espère que tous enfin comprendre. Maintenant, uses of hexadecimal, nous expliquons. Qui hexadecimal, le good example que nous servons pour représenter URL. Qui veut dire URL? Nos web adresses. Voilà, ça veut dire URL. Qui veut dire U? Qui veut dire R? Qui veut dire L? U veut dire uniform. R veut dire resource. Et L veut dire locator. Veut dire dans, là nous écrivons dans nos browsers, nous écrivons un website. Ça code qui nous écrit pour nos websites là, on appelle ça URL. Veut dire web adresse. C'est mon computer pas comprendre sa web adresse. Il veut convertir sa web adresse là en hexadécimal digit. Et comment il convertit ça en hexadécimal digit? Bon, moi, autre chose. Sa W là. Voilà, get sa W là. L'ipoil de tab ASCII. Li pou gete W ce code qui était 77. Quel code li gagne ça? Voilà, W en hexadécimal, W capital ou bien W tilet, tu besoin gete. W tilet. Voilà, W tilet. Ordinary li 119, mais en hexa li 77. À cause de ça, li met li converti sa web adresse là, computer converti sa web adresse là, W li 77. Li met percenté devant. Vous mettez qui en hexa et limite percentage 77 encore, veut dire ça l'autre W là, voilà, et en coin W là, veut dire 3 coûts limite 77. Maintenant il y a point à ce point là, vous avez trouvé ça point là, ça point là aussi il y a ce code, li, en hexa l'IDE, voilà, comment vous gagnez ça? Tu as le tab, tu peux trouver, voilà, li là. Point de table, voilà, point de table, en dinerie, il est 46, en hexa, il est pour 2E. Voilà, il met les DE. Ça point-là peut représenter DE. Mais H, small letter, il est 68 en hexa. Comment est-ce que vous connaissez 68? Tu as le H, small letter, il est là. Small letter H, en dinerie, il est 104, et en hexa, il est 68. Voilà. Et comme ça, il convertit ça. Il a les caractères O. Et ça, l'alphabet O là. Sa web adresse là. Il vient 6F. Comment il gagne 6F? Il y a le tableau. Alphabet O tilet. Il est là. En dinerie, il est 111. En hexa, il est 6F. Et qui fait une pourcentage devant pour dire à toi, ce chiffre là, il est en hexa. Je veux dire, si tu as une web adresse, les enfants vont suivre. Si tu as une web adresse dans l'examen, il est à converti en hexa. Ce qu'il peut faire, il peut servir sa table. Sa table ou là, appelle ça ASCII table. Dans ASCII table, il peut prendre chaque chiffre qui est là, chaque digit qui est là, il peut convertir en hexa. Je suppose que vous connaissez ça, c'est un devoir là, vous pouvez corriger. Ça devoir, vous pouvez donner une jeune qui là, ça devoir là. Vous allez essayer de faire ça, que vous convertir sa web adresse là en hexa. Et je peux essayer de faire ici, si je gagne des difficultés, je dis moi. Maintenant, nous reprenons les questions à l'examen. Qui est-ce que vous avez? Users of hexadecimal. Code service hexadecimal. Premier exemple de hexadecimal. Allez, nous allons ça. Premier exemple de hexadecimal. Code nous servir hexadecimal. Memory dumps. Code nous servir hexadecimal. Memory dumps. Qui veut dire memory dumps? Veut dire tout ce qui est dans la mémoire. Voilà, nous prenons les, nous output les. Memory dumps veut dire. Nous prenons un content qui est dans la mémoire, voilà mémoire, mémoire sur location, nous avons telle affaire dans sa location, telle data. Dans sa memory location, nous avons telle data. Tout ça, bande data là, lié en hexadécimal. Memory dump veut dire the content of the memory is output either on the screen or on the monitor. Deuxième, quand nous servons hexadécimal pour code couler dans HTML, dans langage HTML. HTML code servi dans develop web page. Dans nous develop web page, nous code ban couler en hexadécimal. Veut dire, nous avons rouge, vert avec bleu. Nous mélangeons ça en couleur là pour gagner en couleur de website. Maintenant, quand nous servons hexadécimal pour écrire nos MAC adresses,
Vous avez une carte réseau, on appelle ça NRC. Il y a une MAC adresse divisée en deux parties. Nous avons manufacturer code et nous avons serial number. Ok, first half, on appelle ça manufacturer code et second half, on appelle ça serial number. Total, il y a 12 digits hexa. Premier 6, il y a manufacturer code. L'autre 6, il y a serial number. Et quand nous servons hexadécimal encore, c'est nous servir de web adresse. Et nous pouvons faire un website, nous servir web adresse. Et pour qu'on ça, nous avons un ASCII table, American Standard Code of Information Interchange. Dans cette table-là, nous trouvons ASCII. Chaque keys qui est dans nos keyboards, il y a un code en binary et nous pouvons convertir en binary et nous pouvons convertir en hexa. Si tu as un website, place que nous écrivons sur l'adresse, nous appelons ça URL. Dans nos browsers là-haut, pour ça l'adresse là, nous écrivons URL. URL with a uniform resource locator. Et qui computer fait, il prend sa URL là, sa web adresse là, il convertit en hexa value. Et qui le fait pour convertir ça en hexa value, il servit sa table ASCII là. Voilà, sa table ASCII là, il prend pour convertir. Correct? Allez, par exemple, il prend www.holder.co.uk. Bon, sa première W là, l'étoile de notre table en hexa, W représenté par 77. Tu mets percentage devant pour dire sa code là, il y a en hexa. Encore une coup de W, tu mets 77. Mais tu mets percentage pour dire en hexa. Encore une coup de W, tu mets 77, tu mets percentage devant. Sa dot là représente dans ASCII table 2E en hexa, tu mets percentage. H représenté par 68, tu mets percentage devant. O représenté par 6F, tu mets percentage devant. Comme ça, il continue à aller. Maintenant, quand nous servons hexadécimal en code, laissez-nous écrire en code machine. Ou ça, assembly language. Mon computer comprend mon ASCII code. Computer comprend assembly language avec machine code. Mon assembly language et machine code écrit en hexa. Voilà. Maintenant, dans l'examen, tu peux avoir une question. Ça, c'est supposé prendre un cahier. Users of hexadecimal. Mon encore l'aime là ou ça ne finit? Allô? Allô? On cause tout seul là? Allez, nous répondons. Allez, nous restart. Tous les élèves rentrés. Ok, dans l'examen, vous avez une question. Users of hexadecimal. J'espère que vous suivez. Mon cher, mon écran. Voilà. Depuis que vous êtes déconnecté là, fais-moi connaître. On pourrait franchir. Allez, users of hexadecimal, nous allons faire aujourd'hui. J'espère que vous suivez. Allez, tiens, ma côte, nous déconnecter, mes enfants. Allô. Ok, users of hexadecimal, mes enfants, peuvent rentrer là. Pas bon là? Personne va rentrer? Allez, tous en faveur rentrer là. Share screen. Voilà. Allez, nous ensuite, bons enfants. Nous pouvons users of hexadecimal. Correct? Allez, rentrez vite, vite. Users of hexadecimal. Allez, déjà ma code déconnecté. Quand ligne coupée, mon pantro connaît. Allez, code non arrêté, déjà moi. Après, je vais mettre ça dans le cahier. Users of hexadecimal. Ok, mon autre question l'examen tout là. Allez, bonnes enfants, une rentrée là. Users of hexadecimal, nous allons faire. Correct, l'écran chère. Allez, fais-moi connaître quand on est coupé là. Gopal, fais-moi connaître quand on a arrêté là, une coupée. Parce que moi, pas ne connais quand on est coupé. Allez, Balgoban. Dis-moi quand on est coupé, mon garçon. Allô. Ou bien, j'ai ma canne coupée. Les kikan, j'ai moi. Allez, la canne coupée. Allez, guette un coup de Simon arrive là-bas. Là, hein? Parce qu'il ne m'a pas connu canne coupée. Voilà.
Ah, si on a posé les pertinents, là, uses of hexadecimal, moi, tu arrives là, la ligne coupée. Voilà. Allez. Ça, normalement, je t'arrête la vidéo là, je te copie ça dans votre cahier bien pour autant. Ça, c'est summary, ça. Correct, summary là, hein. Ça, évidemment, un livre, mon gars, ça ne te semble pas guetter. Vous êtes à l'examen. Non, non, ça, summary là, il représente tout. Correct, là, là, on l'explique, plus. Explication. Mais ça, bien pour autant. C'est la question à l'examen, je vous ai répondu. Ça commence là, je vous ai écrit. Et là, en cause, élève, là, waiting, là. Si les élèves vont rentrer, finir rentrer là. Non, allez là, tout une rentrée là. Hein? Allez, nous reprenons. Ça qui est important dans notre cahier, ça c'est la question de l'examen qui est posée. Mais dès l'examen, il y a give the users of hexadecimal, de papier l'examen exact comme ça question là. Allez, première réponse, memory dumps. Tu connais que vous avez des memory dumps. Veut dire when the content of the memory is sent to a printer or on the screen. Voilà. Il te servit ça pour diagnostic ban erreur de computer. Si il veut mal fonctionner, il peut donner un codeur hexa. Et ça, un codeur hexa, nous allons convertir en binary, nous allons comprendre ce qui est arrivé. Il y a un jour, si il a envie de craquer un code, il a envie de craquer un password, il peut guetter dans la mémoire qui est gardée, il peut relire ce code-là. Il y a un hacker, tout ça, là, il servit sa mémoire d'un plan pour hacker ban qui soit. Tu vas guetter dans la mémoire qui est gardée, tu fouiller dans la mémoire. Et là, tu connais ce hexadecimal code-là. Donc, finir connaître qui pour soit correct, qui pas bon. Il y a beaucoup de monde pour servir sa mémoire dump là, il peut dump sa mémoire là, il peut coder qui est dans sa mémoire, il peut lire sa bande code en hexa, il peut lire sa bande code en binaire là, il faut finir comprendre tout bande code, il peut crack bande code. Il est bien bien important de comprendre. Et si tu connais lire hexadécimal et binaire, tu peux lire tout bande code qui est écrit. Deuxième, moi tu montres autres, deuxième use of hexadecimal, c'est le développe website. Le développe website, nous servons un langage appelé HTML. HTML veut dire Hypertext Markup Language. Et dans sa langage, nous représente couleur, nous développe couleur. Couleur, nous écrire en hexadécimal. Et une autre place, nous servir hexadécimal, moi je dis MAC adresse. MAC veut dire Media Access Control. Veut dire MAC adresse. Nous servir une carte réseau. So, MAC adresse, c'est un unique number. Nous gardons là-dedans. Et troisième, moi je t'explique, sorry, quatrième, nous parlons d'une web adresse. C'est même dans URL, Uniform Resource Locator. Là, nous écrivons une website, par exemple, un website www.roder.co.uk. Computer convertit sa web adresse là en hexadécimal, en code comme ça, pour être capable d'ouvrir sa website. Dernier, là, nous servons Assembly Code avec Machine Code, d'écrire en hexadécimal. C'est plus facile pour écrire, c'est faster to write et less error prone when writing. Binary. De place, nous écrire binary, nous allons écrire en hexa. Hexa plus facile pour écrire comparé à binary. Correct? Ça, normalement, je vous ai détaillé après. C'est des origines complètes, uses of hexadecimal. Maintenant, nous avons un coup de code nous arrivé. Voilà, un avance élevé suivre. Voilà, uses of hexadecimal. Correct? Maintenant, nous recode une vidéo là, nous pouvons avoir dans YouTube après ce guetté. Maintenant, je vais reprendre pour la dernière fois pour les élèves qui sont un petit peu en retard, rentrer, pas grave, mais qui nous couvrent aujourd'hui, voilà. Pour les élèves, nous expliquer qui nous couvrent aujourd'hui. Ça bout là, je vais mettre dans le cahier. User of hexadecimal, ce qui me zoom là, ça après, je vais mettre dans le cahier. Je vais dire user of hexadecimal, memory dump, HTML, le créer code pour couler, MAC address, website address et assembly code de servir pour hexadecimal. Maintenant, notre slide est là. Correct, la vidéo là, je vous ai mis. On reprend l'île, il sortit dans le livre Helen Williams. Et ce livre là, on finit d'un zut. Voilà. Maintenant, on prend un des papiers d'examen pour discuter un tiers mal. Et déjà, aujourd'hui, on complète uses of hexadecimal. Voilà, on va l'inspirer en détail. On reprend dans notre salle aujourd'hui qui m'en fait pour penser les examens qui sont en retard. Voilà, on discute uses of hexadecimal. Et on allait en détail, get mon vidéo. C'est memory dumps, veut dire tout le contenu qui est dans la mémoire, nous output dans l'écran sur le moniteur, il y a un hexadécimal. Et là, nous servons le langage HTML pour développer un website, nous code couleur. Voilà, ça, moi, je vous montre couleur. Couleur rouge, couleur vert et couleur bleu. Comment les coder en hexadécimal? Je vais bien expliquer ça. Et là, nous avons un code réseau, on appelle ça NIC, Network Interface Code, nous servons MAC adresse, veut dire unique number. MAC adresse lit normalement lit combien de code lit 12 chiffres hexadécimal. Premier chiffre là, nous appelons ça manufacturer code.
First half, on appelle ça manufacturer code. Second half, on appelle ça serial number. Et on prend l'exemple, on montre comment ma adresse garde hexadécimal. Et encore une fois, tu montres le user of hexadecimal web address. Et moi, t'explique ce qui veut dire ASCII, American Standard Code of Information Touching. Et sa table là, moi, je montre ça. Sa table là, tout le code est gardé en hexadécimal. Tout le alphabet, comment A, capital, B, capital, A, tilet, comment ne peut code ça en hexadécimal. Et là, moi, je montre ça, moi, même montre ça, un web address, voilà, un web address, qui est ça bien. Un web address. Attends, on l'a comme tel un freeze. Il est correct là, ça va être un nom. Voilà, un web, ouais, un web adresse, moi, tu m'as montré, qui est un URL. URL veut dire Uniform Resource Locator, c'est un web adresse. Comment il convertit ça à web adresse là? Il fait living hexadecimal value. Mais c'est vrai, rappelle bien, il s'est mis sa table là, sa table ASCII là. Et il prend chaque alphabet là-dedans, il convertit en hexadécimal. Mais devant lui, il met un percentage. Qu'est-ce que ça, un percentage là? Il est représenté que ce code là, il est en hexadécimal. Et je me suis donné un petit devoir, je vais commencer à convertir ça en hexa. Si j'ai des difficultés, je pose ma question. Et dernière partie, nous disons assembly code et machine code écrit en hexa. Et get, par exemple, un code d'assembly store, il écrit en hexa. Et un autre code, il écrit en hexa. Et il va convertir ça en hexa là en machine code. Mais c'est moi le plus bon écrire en hexa que machine code. Machine code, tu vas faire erreur. Hexa, le plus facile pour écrire. Question qui te gagne dans l'examen. Le test, professeur pour donner ça. 3 points. Give the user of hexadecimal. Réponse, memory dump, HTML pour écrire code couleur, MAC address pour écrire unique adresse, web address, assembly code, écrire en hexa. Faster to write compared to machine code. Voilà, maintenant, sa classe-là, elle est finie ici. Maintenant, ici, il nous donne encore un détail qui veut dire MAC address. Et là, moi, expliqué sa code Wi-Fi, sa carte Wi-Fi, c'est même là, ça NIC. L'INA so unique number appelle ça MAC address. MAC address li unique. C'est même appelle ça un physical address. Correct MAC address. Et MAC address li consiste of 12 bits. Premier 6 bits, on appelle ça manufacturer code. L'autre 6 bits, on appelle ça serial number. Voilà, il explique manufacturer code. Et l'autre second half, on appelle ça serial number. Dans notre slide, il y a get notre slide, ça notre slide est bien bien intéressant de copier dans notre cahier. Et encore, notre cause web address, website. La web adresse nous a servi ASCII code. Je vais expliquer ce que veut dire ASCII, American Standard Code of Information Touching. Dans cette table ASCII, qui diffère, disons, il donne un URL dans l'examen. Il y a ça URL là, www.holder.co.uk. Il prend chaque alphabet W, il fait une hexadécimal. L'autre W, il fait une hexadécimal. Mais c'est moi qui servi sa table pour faire ça. Et devant lui, il met percentage. Correct? Et dernier code servi hexadécimal de assembly code. Assembly le plus correct pour écrire. Assembly hexadécimal code is much easier and faster to write and less prone to errors compared to binary. Le plus bon qui binaire. De place 0 avec 1. Ok. Voilà. Memory dump. Quand on donne aux enfants 1 point, 2 points, 3 points. Et ça m'a notes pour l'OTA Cambridge. L'inferme remarque là-dedans. HTML, MAC address, web address, assembly code, je l'ai dit. Maintenant, nous allons lire. Aujourd'hui, nous expliquons ça. Maintenant, nous allons lire parce que nous commençons papier D. Chaman, nous allons lire. Écoute. Ok, encore une des 3 minutes, je vais vous faire un des papiers d'examen. Je vais vous donner un autre devoir. Après, je vais faire papier d'examen. Correct? Allez, maintenant, je vais faire sa note là. Il y a encore des enfants qui peuvent rentrer. Voilà. Je vais faire une vidéo là. Et un chaman, je commence papier D là, un chaman là. Hein? Et là, je vais vous montrer encore une devoir, je vais vous montrer un livre. Si je vais ouvrir le livre là, je vais commencer papier D, un chaman. Mais là, je vais encore papier N là. Un chaman, je commence papier D là. Hein? Mais c'est bon, avant de commencer papier D, je vais vous montrer mes élèves, mes affaires. Voilà, ce livre là. Car je vais vous montrer ce livre là bientôt. Ce livre là bien intéressant. Un revision guide ça. Ok, je vais ouvrir un autre livre là. Hein? Voilà. Get ça livre, une revision guide. Et des voix, je peux donner là-dedans. Là. Pour ce get vidéo là, je vous trouve des voix là. Ok? Voilà. Voilà. Ça revision guide là, bien intéressant. Voilà. Là-dedans, il explique toi binary, comment il convert. Voilà. Des voix, on peut expliquer là. Voilà. Examiner le report, sample.
Une minute. Pas connaître Simon Corry, c'est un des voix là, mon talent en bas là. Voilà, get la date regain sa note là, ce que mon fait get là là. Uses of hexadecimal. On fait qu'expliquer. J'ai dit le topic qui ça même là. Uses of hexadecimal. Code servi hexadecimal. Get là. Ça, ça vous a mis dans le cahier. On fait compléter ça. Uses of hexadecimal. Hexadecimal is used in memory dump. HTML code. Voilà, ça, je vous dis, mon expliquer. Mon bien explique ça. Mon prend un topic là, mon expliquer. Voilà, mon espérer tout bas élèves suivent ça. Uses of hexadecimal, mon faire. Memory dump. HTML code. MAC adresse. Website adresse. Assembly code. Ça, mon expliquer aujourd'hui. Maintenant, deux voix, nous avons un coup. Oh là là. Là, nous arrivons là. Une minute. Il y a un autre slide extra intéressant. Qui veut dire memory dumps, l'expliquer là. Qui veut dire HTML code, l'expliquer. Le cas pose, là, l'autre guetté, ça va un autre slide. C'est le TIA Cambridge, ça va un autre ça. Student as an answer, MAC address, website, etc. Voilà, ça devoir, notre sens n'est pas encore usé, ça devoir je vous faire, pour cette vidéo là. Convert the following binary to hexa, convert the following hexa to binary, convert the following binary to hexa. Faire ma rappel, pour cette classe, moi vous corrigez ça, mais vous donne encore des voix là. Voilà, deux voix qui nous vous donnent plus intéressant, c'est ça. Attends, moi dire ce là. Une minute. Voilà, ça dit voilà. Si vous pensez d'autres cas à faire, question 4. Fais-moi rappeler vous corriger ça. Ta vidéo là de guetter. Le système stores message in 4 bits binary code. Each 4 bits represent a hexa. Convert the following 4 bits and indicate the message that is stored. Fais-moi rappeler vous corriger ça. Maintenant, le. Maintenant, là, c'est de la faire. Pardon? Non, non, non. C'est ce qui m'a dit là. Numéro 4. Ok, ça m'a corrigé. Bon, regarde là aussi. Ça, question là, extra intéressant, ça B là. Ça aussi m'a beaucoup causé. Ok, sa question là bien bien intéressant, ça doit faire là. Hein? Quand mauvais highlight là, dans la vidéo là, doit guetter tout arrêter. Sa question m'a beaucoup causé si hein? Là et ça. Ça se pose vidéo là, doit guetter. Ça m'a beaucoup causé. Quand lettre L doit bien représenter un binary, lettre W doit bien représenter un binary, lettre L lit-il ça. Et ça qui l'était de représenter, ça a sûrement beaucoup causé. Ok, ça m'a beaucoup causé. Voilà, shifting, si m'a beaucoup causé. Shifting, shift operation. Je pose, je vais te voir là. Ça m'a beaucoup causé. Correct? Correct, on finit à vos yeux de voir là. Mon cas à vos yeux de livre là. Allez. Maintenant, nous allons arrêter avec Paper One. Correct? Mon rêve de jeu de voir là, mon autre jeu de là. Qui m'a corrigé. Allez, maintenant nous voilà dans Paper 2 à ce terrain. Hein? On pensait nous voilà dans Paper 2. Allez, Paper 1, nous allons arrêter là. On finit notre devoir, on expliquer et nous vous corriger encore au devoir. Allez. Allez, Paper 1, nous vous dire au revoir et Paper 2 pour commencer là. Correct? Allez, moi stop sharing, moi voilà dans Paper 2, moi fais un tas de travail là-bas. Moi pensez Paper 1 assez là. Ok? Il y a temps à peu près de nous faire. Pas 20 secondes moins, même, mais pas grave. Ok, stop sharing. C'est là, causalement, on commence Paper 2 là. Correct? Paper 2 veut dire VB, tout ça, on va continuer là. Check and good. Allez, Paper 1, correct, bons enfants? Mon expliqué, uses of hexadecimal, et mon donne un petit peu des voix, des voix là, na, shifting tout là. Na. Et fais-moi rappeler, vous causez. Et demain, vous pouvez dans la classe, si vous êtes capable de suivre, demain, vous pouvez expliquer encore. Et demain 6h, hein? 6h à 7h, nous prenons la classe, paper 1. Et mardi, nous prenons paper 2. Et en fait, je vous dis, je dis, la semaine prochaine, nous prenons la classe, de, si possible, nous vous commençons la classe de bâtiment là-bas. Ok, nous vous commençons, dis, capable 7h30 ou bien 8h, nous vous commençons la classe là-bas. Alors, je vous dis, j'ai envie de demander des affaires.
Est-ce qu'ici, si vous faites classe là-bas, dans le bâtiment là-bas, contre radar computers, là-haut, Goodlands, est-ce qu'il y a des élèves pour capable venir si nous commençons 7h ou bien 7h30, nous finissons libre? Je t'envoie un message, nous guettons combien d'élèves quand commencer. Ok? Je t'envoie un message, je t'envoie. Bon, on peut pas voir, on peut stop là. Correct? Et on stop ça, on peut